Alors là, nous entrons dans notre troisième moment de soirée, les forces de production artistique ici à la Friche Belle de Mai, parce que la Friche n'existerait pas sans la combinaison d'un ensemble de producteurs. Et dans un article intitulé « La Friche, fille de mai 68, enfant de la malice », paru dans la revue Faire Savoir en décembre 2013, Philippe Foulquier écrivait ceci « La production artistique doit être entendue comme mécanisme de socialisation des démarches artistiques, c'est-à-dire à la fois la production, la fabrication, la diffusion des œuvres et de leur histoire. Tenir tout cela ensemble. » Alors nous allons ouvrir un tour de table sur cette question de la production à la Friche et la manière dont chacun et chacune l'apporte. Nous avons réuni quelques producteurs de la Friche dont les disciplines sont plurielles par le biais de multiples modes de production. Chacun et chacune auront 3 minutes pour exprimer à partir d'une question ce que fait la Friche à la production. En quoi la Friche modifie votre manière de produire? Comment le fait d'être à la Friche engage tout autrement et chaque fois de manière singulière votre rôle de producteur? Josette Pisani, on va commencer par vous. Prenez un micro. Bonsoir, Josette. Alors, Josette, vous êtes directrice de... Bonsoir, Josette. Bonsoir. Vous êtes directrice de Marseille Objectif Danse, une structure de production, de diffusion et de formation fondée par 6 chorégraphes en 1987. Vous fêtez d'ailleurs cette année vos 30 ans d'activité. Vous avez apporté un souffle neuf au niveau de la danse sur le territoire et chacun de vos projets nécessite une approche particulière, singulière. Que vous a permis le fait de multiplier les lieux, les différents lieux dans la ville pour la réalisation de projets? Parce que c'est le choix que vous avez fait, d'une certaine manière, d'être en itinérance. Et pourquoi ce choix? Et qu'est-ce qui vous a permis le fait d'être en itinérance? Bon, d'abord, comme vous l'avez dit, ce projet a été écrit et porté au départ par 6 chorégraphes, donc qui venaient du terrain. En 87, lorsque nous sommes nés dans la même dynamique que étaient nés les Bernardines et Massalia, ce projet, effectivement, a mené quelque chose qui n'existait absolument pas, puisque la danse à Marseille, c'était en gros Roland Petit et un ou deux spectacles au Merlan à ce moment-là. Le territoire avait été vidé, enfin les chorégraphes, il n'y en avait plus, les danseurs étaient partis, parce qu'il n'y avait aucune possibilité réelle de travailler dans cette ville. Donc, quand on a fondé et écrit le projet, on a immédiatement lié ces enjeux, production, avec une capacité de coproduction de notre part, diffusion, transmission par la formation professionnelle. Donc, les trois enjeux de départ, et il s'agissait de couvrir le territoire de Marseille, de la ville, c'est-à-dire de faire un projet politique. C'est un projet, on ne s'est jamais intitulé projet artistique, mais un projet politique parce qu'il investissait une ville, un territoire. En 87, Massalia, Philippe Foulquier, donc, les Bernardines, le Tourski existait aussi, et la Minoterie, nous on a dit... On veut travailler en partenariat avec ces lieux. On veut surtout pas enfermer la danse dans un lieu, pas de maison de la danse, parce que les formats, les formes de la danse sont diverses, étaient déjà diverses à ce moment-là. Donc il s'agissait non pas d'adapter le spectacle à une salle, mais de choisir des lieux qui pertinents pour les différentes formes que nous voulions présenter dans cette ville. Donc on a travaillé immédiatement en partenariat avec des lieux existants. Par contre, tout de suite, ce qu'on a demandé, en même temps d'ailleurs que les Bernardines, Massalia, et on est un peu aussi, je dirais, dans l'écriture du projet, on était associé un peu à cette, on était associé totalement à la réflexion et au projet Friche, parce qu'il nous fallait des lieux de travail. Développer un projet comme Marseille Objectif Danse, ça voulait dire, évidemment, accueillir des artistes sur des résidences et mettre la danse, comme on disait, au travail, avec des studios, parce que la danse, il faut des studios. Avoir une base. Alors, la base, non, oui, la base, disons, oui, une base, mais surtout pouvoir faire revenir des danseurs et venir aussi des chorégraphes et des danseurs, etc., et leur permettre, leur donner des moyens de travail.
Et c'est des lieux. Alors, la friche, on n'y est pas venu tout de suite. Il y a eu un peu des loupés parce qu'on avait un autre projet. On avait trouvé d'autres lieux qui étaient plus adéquats, je pense. Mais on y a travaillé tout de suite. Et je me souviens qu'avant la friche La Belle de Mai, il y a eu une autre friche dont on n'a pas parlé. C'est Magalon. Et le premier spectacle qu'on a fait à Magalon, c'est avec le groupe Dune, je me souviens. Et ensuite, on a continué. On n'a pas beaucoup parlé du groupe Dune, qui est quand même une des compagnies historiques. C'est la première compagnie qui est venue à la friche, je crois que c'est bien le groupe Dune. Donc, alors, bien sûr, on ne pourra pas... Tous les producteurs ne peuvent pas, évidemment, là, intervenir autour de la table. Vous vous rendez compte, le nombre de producteurs, on les citera d'ailleurs tout à l'heure. Mais tout de même, puisque le temps passe, c'est que n'oubliez pas que vous avez 3 minutes. Alors, la friche, peut-être nous parler un petit peu du caractère in situ. C'est-à-dire que du coup, vous avez développé aussi des œuvres in situ dont l'expérience n'avait lieu qu'ici et pas ailleurs. La danse, c'est le temps, l'espace. Hein. J'enfonce une porte ouverte, mais enfin, il faut le savoir. Donc, les chorégraphes... quand ils arrivent dans un lieu, il y a toujours une adaptation, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le ballet classique, normé, etc. Donc quand on est arrivé, quand on a visité la friche au début, ces espaces, évidemment, nous ont... Mais avec des difficultés dont on a fait état tout à l'heure, la poussière, le froid, les salles pas adaptées, etc. Mais ça a permis, effectivement... de produire, de coproduire des œuvres finalement qui se sont faites, comme on dit maintenant, in situ, mais qui étaient donc peut-être pas transposables dans des lieux plus traditionnels, dans les boîtes noires. On a pu aussi recréer des boîtes noires, hein, dans ces intérieurs-là. Mais en fait, c'est vrai que ça a développé, pour beaucoup de chorégraphes qu'on a invités, ça a boosté, je dirais, un peu leur imaginaire par rapport à un lieu qui est quand même très chargé aussi, hein, très, très chargé d'abord d'une histoire, et puis par ces salles absolument immenses. Et le fait que ces espaces, que j'appelle des espaces perdus, on pouvait les investir, même avec toutes les difficultés, a effectivement peut-être... amener beaucoup d'autres chorégraphes à s'intéresser, en tout cas à travailler d'une autre manière que dans la boîte noire. Merci, voilà. Josette. Et oui, 3 minutes, c'est pas facile. On vous retrouve tout à l'heure parce qu'on parlera des futurs possibles de la friche. Émilie, j'espère que vous n'allez pas suivre l'exemple de Josette et que vous allez réussir à tenir ces 3 minutes. Émilie Robert, vous êtes directrice du théâtre Massalia, scène conventionnée pour le jeune public. Le jeune public à la friche, c'est une préoccupation qui dépasse le cadre de la sensibilisation du théâtre. Il y a du jeune public qui traverse la friche par-delà la question du théâtre. Et votre expérience vient nourrir d'autres projets jeunes publics à la friche, ça qui est assez important. Et contrairement à un théâtre classique, vous n'avez pas d'accueil propre, d'une certaine manière, du public. Ici, l'accueil se fait à l'échelle de la friche. Alors, comment, dans ce contexte, inventez-vous votre relation, finalement, à votre public et à la population, dans ce contexte où l'accueil, elle est à l'échelle de la friche? C'est une bonne question propre à Massalia, parce que j'ai juste envie de dire, pour commencer, que ça m'a un peu manqué dans l'évocation qu'on a eue jusqu'à maintenant, que pendant longtemps, le théâtre Massalia a été la structure qui, avec d'autres, mais amenait à une programmation permanente à la friche de saison, et qui du coup amenait un public aussi comme d'autres permanents, et que cette préoccupation du public, elle a toujours existé. Il y avait une espèce de sans doute, comme l'a dit Josette, aussi de folie propre au site lui-même au début, dans la façon d'inventer une relation au public, de l'embarquer dans des aventures absolument incroyables qu'on m'a en quelque sorte racontées, puisque moi ça fait 4 ans que je dirige le théâtre Massalia, donc il y a des choses dont je suis héritière aussi, hein, en quelque sorte. Alors, inventer l'accueil du public à la friche, c'est pas simple, effectivement, c'est un aiguillon en quelque sorte permanent, puisque effectivement nous n'avons pas de lieu qui nous identifie. Alors du coup, peut-être qu'il y a 2 choses, c'est-à-dire que nous nous identifions par les gens, et ça me permet de rendre hommage aux qualités de l'équipe du théâtre Massalia, parce que du coup, il y a une forme d'accueil qui est liée à la personnalisation finalement de l'engagement d'une équipe, parce que sans ça, dans un tel lieu, ça ne fonctionne pas. Et puis après, ça amène à une grande inventivité. Alors, on déploie évidemment les efforts très classiques en termes de communication, donc de relations avec les publics. Et en même temps aussi, on essaye d'user d'autres formes dans la relation à un territoire. Peut-être du coup citer aujourd'hui la question finalement du public
de la friche se pose quand même de moins en moins. Globalement, on l'a entendu mille fois aujourd'hui, il y a 450 000 personnes qui fréquentent le site de la friche à l'année. Et la question se pose plus sur peut-être certains types de publics, c'est-à-dire que la friche et le théâtre Massalia, chacun à leur endroit, draine un public. Le théâtre Massalia a de fidèles depuis longtemps. On a fêté nos 30 ans il n'y a pas longtemps et on a eu le plaisir de trouver des gens qui étaient là presque depuis 30 ans et certains qui étaient venus très petits et qui étaient aujourd'hui des adultes qui venaient avec leurs enfants. Donc cette question-là, on l'a peut-être un peu dépassée à un endroit et en même temps, il faut la réinventer à l'endroit peut-être de notre territoire de proximité. Et là, il y a un très joli travail qui se met en place avec, avec la société coopérative et en particulier avec ses médiateurs. Et cette question me permet juste de mettre en avant une expérience qui a encore eu lieu hier soir où nous présentons là, le spectacle mécanique d'Anima Théâtre et où il y a un groupe de jeunes gens amenés par les médiateurs de la coopérative qui vient et qui ne serait pas là sans ce travail en fait, qui s'invente sur le site. Et moi, c'est ça qui me plaît dans la friche. C'est-à-dire que c'est un endroit où on peut inventer d'autres formes, où on désacralise aussi un certain rapport au théâtre. Donc c'est très complexe, on s'arrache quelquefois les cheveux. Mais on invente aussi des choses qui sont permises par le fait de ne pas être dans un théâtre. Et ça, c'est assez magique aussi. Merci beaucoup, Émilie Robert. Et je me tourne vers Juliette Grimond. Bonjour, Juliette, bonsoir. Prenez un micro. Vous assurez la programmation du cinéma Le Gyptis, un cinéma à la fois porté par la friche et Shellac, la société de production, distribution et de diffusion de cinéma. Et habituellement, dans votre secteur, le diffuseur ne fait pas vraiment d'action culturelle, ni de recherche, ni d'accompagnement. C'est plutôt une sorte de robinet de la production. À contre-pied de cette manière de faire, vous avez fait le choix d'une politique volontariste avec les publics, notamment en les impliquant, il me semble, dans un geste de programmation des films, notamment l'été sur le toit terrasse. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de cette expérience et en quoi, finalement, elle a été permise par le fait d'être présent, que ce cinéma soit rattaché à la friche? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bah, le Gyptis, il a ouvert en octobre 2014 et on assure la programmation de ce cinéma depuis ce moment-là. Et Shellac, c'est une société qui est marseillaise, donc qui connaît déjà bien le territoire et sa population, ne serait-ce que parce que les personnes qui y travaillent y vivent. Moi, quand je suis arrivée pour faire la programmation du Gyptis, je ne connaissais pas ce quartier, je ne connaissais pas les gens qui fréquentaient la friche. Le Gyptis, il est implanté sur la place Cafaud, donc c'est à 200 mètres d'ici, de la friche, au cœur du quartier de la Belle de Mai. Et tout de suite, pour moi, il a été évident de vouloir partir à la découverte, à la rencontre des personnes qui vivent ce quartier et qui allaient fréquenter ce cinéma. Alors on a très vite décidé de rendre la programmation participative, puisque l'enjeu c'était à la fois d'être un cinéma de proximité, avec un ancrage fort dans son territoire, avec une programmation familiale très développée, etc. Et puis en même temps de faire venir des grands noms du cinéma et de faire découvrir le cinéma qui nous intéresse, notamment en tant que producteur et distributeur. Et donc on a impliqué le public dans le choix des films qui sont montrés au Gyptis, notamment à travers les ciné-dimanches, les journées de programmation de films entièrement gratuites, et puis à travers la programmation du toit-terrasse, donc c'est Belle Étoile, ça se tient tous les dimanches soirs en été sur le toit-terrasse de la friche. Et on a proposé un groupe d'habitants du quartier, mais pas que. Ce sont des personnes qu'on a rencontrées grâce aux professeurs avec lesquels on travaille dans le cadre des dispositifs d'éducation à l'image, ou qu'on a rencontrées grâce aux structures culturelles et sociales du quartier avec lesquelles on travaille depuis le début. Et donc c'est un groupe qui est extrêmement hybride, qui est constitué à la fois d'enfants, ça va de, je crois, 6 ans à, je voudrais pas dire de bêtises, mais quelque chose comme 77 ans. Ce sont des gens qui sont de cultures cinématographiques très très diverses et qui participent avec nous au choix des films qu'on montre sur le toit. Donc la friche là-dedans, évidemment que c'est essentiel que ça... Enfin, je ne sais pas si ça pourrait se faire ailleurs. Je crois d'ailleurs que c'est la première initiative en France qui prend cette forme-là, en tout cas. Puisque nous, notre idée, c'était vraiment d'aller à la découverte de leur cinéphilie, non pas en leur imposant des choix de films, une sélection de films, et puis ils pourraient en choisir un ou deux parmi tous ceux qu'on leur proposait, mais qu'eux soient entièrement libres de nous proposer tout ce qu'ils voulaient. Et comme la friche est implantée dans un quartier qui est quand même très divers, où vivent de nombreux Comoriens, de nombreux Algériens, des gens qui viennent de partout dans le monde, ben on s'est retrouvés à la découverte de cinéphilies très très diverses et très variées. Donc c'est lié au lieu d'implantation de la friche, mais c'est aussi lié au fait que la friche nous incite à innover et à monter des projets comme ça qui impliquent directement les habitants de ce quartier. Merci Juliette, on va continuer
Bravo. Continuez ce tour de table avec Élodie Lebreu. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Alors, Élodie, vous êtes directrice de l'AMI, aide aux musiques innovatrices, et vous êtes la directrice d'une structure de production très spécifique dans le champ de la musique. Et au fond, j'irai très vite, comment le festival qui a lieu chaque été sur le toit terrasse, entre autres, comment ce festival est pour vous un projet original? Alors, quand on nous a proposé de faire la programmation du toit terrasse, on a appliqué des principes chers à l'association, chers au fondateur Ferdinand Richard, c'est-à-dire le principe de l'impertinence. Le travail qu'on mène à l'année, c'est un travail invisible. On accompagne 70 groupes par an dans nos studios de répétition, ici en bas à la Friche, une trentaine de créateurs d'entreprises dans le champ de la musique et dans le secteur culturel de manière générale. Et quand on nous a dit penser une création d'une programmation à la Friche sur le toit terrasse, on s'est appliqué ces principes, c'est-à-dire rendre visible la face immergée de l'iceberg qu'est le territoire, qui est toute la scène musicale émergente, mais aussi confirmée, qu'elle soit locale, nationale et internationale, et surtout locale et internationale. Donc c'est ce qu'on a fait. Le festival Mimi, l'idée c'est de présenter des artistes qui explosent les formats. Comme tout le monde le sait, la musique est aussi une industrie, et nous, notre travail, c'est de laisser des espaces de liberté aux artistes pour pouvoir proposer des créations qui soient un peu libérées de ces formats et qui soient l'art de demain, en tout cas dans la musique, et aussi dans ces croisements à la Friche avec d'autres disciplines. Hein. C'est hyper important pour nous d'inviter des danseurs, d'inviter d'autres formes disciplinaires. Je pointais le festival sur le toit terrasse, cette saison musicale d'été, parce que la particularité, c'est que finalement, il y a des consignes de programmation ou techniques qui sont adressées à un collège de producteurs, et que j'imagine que cela vous donne la possibilité d'une réinterprétation de ces consignes. Le fait qu'ils soient adressés à un collège de producteurs et pas à un seul producteur, c'est sans doute cela qui fait la marge de manœuvre, la spécificité aussi là de la production. Bon, après nous, d'exploser les consignes, c'est dans la genèse de la structure, donc forcément ça nous amuse beaucoup de le faire, et je pense que c'est aussi la genèse de tous les résidents de la Friche, c'est-à-dire de ne pas être dans le format classique dans lequel on nous attend. Et encore une fois, l'importance pour nous dans un endroit comme ça, qui est gratuit, c'est de rendre visible tous ces artistes. Le toit terrasse est gratuit, Josette. Mais elle intervient, elle a bien le droit d'ailleurs. Ça me rappelle des vieux débats des années 80 à la télévision. En tout cas, c'est gratuit pour le public. Mais ce qui est important pour nous, c'est vraiment de rendre visible ce travail et de toujours rester dans l'impertinence. Je rappelle aussi qu'on a une couveuse d'entreprise, on accompagne des producteurs qui vont être l'avenir de ce territoire dans la proposition artistique et culturelle. Et c'est cet exercice qui nous permet de le présenter. Voilà. On continuera encore tout à l'heure, puisque avec l'AMI, parce qu'on entendra quelques propos de François Ferdinand, qui était le fondateur évidemment de l'AMI. On l'écoutera tout à l'heure en fin de soirée. Julie Kretschmar, bonjour. Je ne sais pas si votre micro fonctionne, j'espère. Je vais vérifier qu'il est allumé. Il est allumé, il fonctionne. Super. Alors, vous êtes directrice des bancs publics, une structure de production et de diffusion des arts de la scène, avec notamment le festival Les Rencontres à l'échelle, avec une dimension internationale très, très importante. Tout à l'heure, pendant qu'on écoutait les paroles d'artistes, nous avons un peu parlé, et puis je vous ai posé la question un petit peu, mais pour vous, quelle est la spécificité au fond? Qu'est-ce que cela vous apporte d'être producteur ici à la Friche? Parce que, en plus, vous avez eu l'expérience d'être producteur en dehors de la Friche, et donc qu'est-ce que le fait de venir à la Friche change pour vous? Et comment ça a modifié finalement votre rôle de productrice, votre rôle d'accompagnement des artistes en étant ici à la Friche, Julie Kretschmar? La petite particularité, c'est que le travail que j'ai développé pendant
plus de 10 ans, c'est à 500 mètres d'ici. Donc c'est quand même à l'échelle, et c'est ce que quand même la friche porte comme discours, d'un territoire plus large que l'enceinte des murs de la friche. Ce que ça nous a apporté en tant que structure, c'est que d'abord qu'on a bénéficié d'un travail de développement des publics qui est porté par une énergie collective et qui ne tient pas au projet d'une ou l'autre des structures. Après, le travail que nous, on mène au banc public, c'est en termes de choix artistiques, c'est toujours penser à l'échelle d'un territoire. Et donc depuis, non seulement Marseille, mais depuis ce type de territoire à Marseille. Et donc de travailler sur la question des appartenances communautaires, des échanges souterrains et très visibles entre les différences d'héritage culturel des communautés qui peuplent Marseille. Et il se trouve que la friche ayant ce pouvoir d'attractivité très fort du fait de la pluridisciplinarité des structures, du fait de la... j'allais dire de la gueule du lieu, c'est-à-dire de cette forme d'étrangeté, de ce lieu qui était très intimidant quand moi je suis arrivée à Marseille et qui ne l'est plus du tout, parce qu'au plus il a été balisé de manière esthétique et dans la façon dont il a été réhabilité, il est de moins en moins impressionnant. Ce que ça nous permet en tout cas, c'est de continuer à convier des artistes qu'on invite depuis quasiment 10 ans à la friche, et de générer une forme de fidélité, je crois, en tout cas, d'un public, et de faire se croiser quand même certains types de publics de théâtre, puisque quand même, nous, la base de notre travail, c'est le théâtre. Et donc, entre le fait qu'il y ait Massalia, qu'il y ait des compagnies de théâtre, qu'il y ait nous, qu'il y ait des festivals invités, il me semble que ça... Je ne sais pas si ça circule tant que ça. En tout cas, ça fait un vivier de public qui identifie ce lieu comme un endroit où il y a du théâtre, mais pas que du théâtre qui se fabrique, du théâtre qui se partage aussi. Voilà. Continuons, si vous le voulez bien. C'est au tour de Véronique Collard-Bovy. Bonjour, bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors, vous êtes directrice de Sextant Group, créé, et Sextant et Plus, créé en 99. Oui, absolument. Vous êtes implanté à la friche depuis 2001. Votre structure invente et développe des systèmes de production et de diffusion de l'art contemporain. Alors, la circulation de l'art contemporain s'adosse habituellement, plutôt souvent, à une galerie, un musée, c'est-à-dire à une signature forte. En tant que la galerie ou le musée est le seul à écrire le projet, finalement, de l'exposition. À la friche, c'est tout à fait différent. À la friche, les expositions, elles s'écrivent par strates de contribution. Et donc, du coup, la signature tend un petit peu à se diluer, à s'effacer. Eh bien, qu'est-ce que cette dissolution-là de la signature par la contribution, qu'est-ce que ça change pour l'art contemporain et les productions dans l'art contemporain ? C'est une configuration parfaitement atypique dans ce secteur, où, en effet, comme vous le disiez... La signature est extrêmement importante. Elle est une valeur ajoutée en général à la programmation. Donc c'est quelque chose qu'on a expérimenté dès le départ, en fait, puisque dès les premières expositions, par nécessité d'une certaine manière, parce que peut-être que ce secteur des arts visuels, si peu argenté, si peu doté, nécessitait dès ses fondations, en tout cas de programmation, que d'y associer différents partenaires. Il se trouve que ça s'exprime d'autant plus justement ici, puisque la coproduction est un des moteurs de la programmation du site. Alors en effet, ça peut provoquer, ça peut aller jusqu'à la dissolution. Bon nombre de fois, évidemment, le nom de la structure n'apparaît pas. Elle disparaît au profit du nom du lieu. Mais c'est très bien, nous, ce qu'on essaye d'une certaine manière de mettre en avant, c'est plutôt le nom des artistes, en vérité. Et que ce soit signé par moi ou signé par quelqu'un d'autre, c'est pas c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est notre volonté de mettre en avant des œuvres souvent créées pour le lieu. Souvent, je vois un peu des images qui sont passées
pas forcément toutes faites par, en tout cas produites par nous, mais qui sont dans ce champ et dans ce secteur-là. Alors, on est, ces strates de programmation, enfin ces strates de contributeurs, j'ai envie de dire, permettent de créer l'événement, de faire en sorte que ça puisse avoir lieu, parce que seul, on n'y arriverait pas. Et c'est un vrai travail que d'aller les chercher, de les convaincre. Ils sont souvent la friche elle-même, en tout cas la société coopérative, dans un premier temps. Mais ils ne font pas l'économie d'autres contributeurs, d'autres partenaires. J'ai un souvenir 2007, donc avant même la transformation de la friche, lorsqu'on a fait ce gros projet qui était Enlarge Your Practice, qui avait invité 18 artistes. On occupait 3500 m² de la friche non réhabilité, on a rassemblé de multiples contributeurs jusqu'à nous-mêmes disparaître, et c'était très bien. Ce que je souhaite, c'est que l'art contemporain ne disparaisse pas, voilà, et qu'il reste quelque part ce fil rouge conducteur un peu de cette programmation permanente qui fait que les espaces sont occupés dans la durée de l'année à la friche, comme voilà, la programmation permanente de ce site. Merci beaucoup, Véronique. Merci. pour ce témoignage. Et nous allons continuer avec Alain Arnaudet, qui est à côté de vous. Bonsoir, Alain Arnaudet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la société coopérative La Friche Belle de Mai depuis 2011, hein, il me semble, c'est cela. Alors, la spécificité du projet culturel de La Friche tient au fait qu'au fond, ici, le directeur n'est pas un sorte de programmateur d'émurge qui programme à la place des autres et qui programme partout. Mais c'est bien un directeur partenaire des multiples producteurs, mais aussi partenaire des producteurs invités venant de l'extérieur. Et donc, il y a d'un côté les producteurs de la friche et puis de l'autre côté les producteurs extérieurs. Alors, au fond, la question, c'est comment vous articulez les projets accueillis venant de l'extérieur avec les spécificités des producteurs qui sont à l'intérieur de la friche. D'abord... Pardon. Oui, il est peut-être un peu fort. Il est un peu fort. Voilà. D'abord, je voulais vous dire que ce qui est, je trouve, assez intéressant dans la répartition des paroles, c'est qu'on voit bien cette diversité de production et cette diversité de manières de faire, de manières de produire. Chacun a pu montrer ici qu'il a son propre chemin pour aller vers le public, pour accompagner les artistes. Et je trouve que c'est vraiment dans l'ADN de la friche. Ensuite, effectivement, mon rôle, effectivement, c'est d'accompagner cet élan-là, l'élan de chacun, les projets de chacun, et d'accompagner cette liberté qui est importante ici, et d'ouvrir aussi cette production à la friche à d'autres perspectives, d'autres manières de faire, comme par exemple avec le Festival de Marseille, comme par exemple en ce moment avec le Centre Pompidou, puisque nous produisons ici une exposition d'Haroun Farouki qui est en deux volets, l'un ici et l'autre à Paris en ce moment à Beaubourg. Donc mon rôle est bien celui-là, de tendre la main à l'extérieur, tout en veillant à ce que les producteurs d'ici trouvent leur espace de création, d'inventivité et d'expression. Vous êtes le point d'articulation finalement entre le dehors et le dedans. Exactement. Et puis on est aussi, quand je dis on, c'est-à-dire mon équipe, hein, avec... l'équipe qui m'entoure, on est aussi un endroit bien sûr de catalyseur, mais aussi nous sommes aussi à l'initiative de propositions comme par exemple le Toit Terrasse ou le Gyptis. Nous sommes allés chercher chez LAC, nous l'avons rencontré, c'est une rencontre je trouve très 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 positive pour le projet. On leur a confié les clés, pas du camion mais de la direction artistique. Donc effectivement, c'est une démonstration que je ne suis pas un directeur artistique des miurges, comme tu le disais, autocrate, mais bien là pour dialoguer
mais aussi pour initier. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que des suiveurs, nous sommes aussi des gens qui tirent le projet vers l'extérieur, vers les autres et vers le public. Merci beaucoup Alain Arnaudet, on vous retrouve si vous le voulez bien tout à l'heure pour parler de la friche aujourd'hui et puis de l'avenir aussi. Et puisque vous avez parlé de l'accueil du Festival de Marseille ici à la Friche Belle de Mai, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé à Yann Gossens de nous rejoindre. Bonsoir Yann, j'espère que vous avez un micro qui fonctionne. Bonsoir Yann Gossens. Alors on termine avec vous, vous êtes directeur du Festival de Marseille et au fond, dès votre arrivée ici à Marseille, vous avez souhaité renforcer la présence du festival dans la friche Belle de Mai. Cela est sans doute lié à votre expérience à Bruxelles. Et vous m'aviez parlé que finalement, il y avait sans doute à Bruxelles un quartier qui était proche de celui de la Belle de Mai. Et puis aussi à Marseille, il y a des lieux qui peuvent sans doute aussi renvoyer à ce qui se fabrique ici à la friche. Est-ce que c'est cela ? Est-ce que c'est à partir de cette expérience ? Peut-être vous pouvez nous parler de ce qu'a été ces expériences à Bruxelles et comment vous cherchez à faire en sorte de les transposer ici. Tout d'abord, ce que je voudrais pour l'avenir du Festival de Marseille, c'est que ça soit un festival ouvert et très connecté au monde, mais avec une programmation internationale qui ne peut se faire qu'à Marseille. Donc pas une programmation internationale interchangeable qu'on peut retrouver dans toute ville européenne. Si on veut réaliser ça, on a besoin de partenariats forts sur ce territoire. Et pour le Festival de Marseille, dans ce scénario-là, la Friche La Belle de Mai est un partenaire indispensable. Il y a peut-être un petit élément de nostalgie bruxelloise. J'ai dirigé le théâtre de ville KVS à Bruxelles pendant 15 ans. Les 5 premières années, on a passé en dehors de l'infrastructure historique du KVS et du centre-ville, dans un ancien espace industriel dans le quartier aujourd'hui célèbre de Molenbeek. Et mon expérience a été que de se déplacer en tant qu'institution culturelle et de décentraliser, de quitter le centre-ville avec sa forte concentration d'infrastructures culturelles, comme ici à Marseille, que ça permet d'inventer et d'imaginer de manière tout autre. En même temps, le lien entre le festival et la friche aujourd'hui et demain, j'espère, va bien au-delà de la nostalgie. Et la friche est pour nous beaucoup plus qu'un décor ou une scénographie. Ce qui m'intéresse ici et ce qui m'a touché dès mon arrivée, c'est que cette friche est un grand espace partagé d'ouverture, de rencontre, d'échanges possibles et indispensables entre pratiques et disciplines artistiques, entre disciplines artistiques et autres pratiques sociales, mais surtout entre ces pratiques et une ville multiple et des mondes. Et je crois que plus que jamais, Marseille et le monde ont besoin de ce genre d'espace partagé. La friche est un bout de ville, un bout de territoire qui permet de respirer, de rencontrer, de connecter. Dans un monde qui divise et qui exclut de plus en plus. Et c'est vraiment ces possibles-là et cet esprit d'espace partagé que je voudrais mettre au centre du projet de Festival de Marseille. Ce matin, nous avons reçu un communiqué du collectif d'artistes et de professionnels des arts et de la culture. Collectif qui s'intitule « Décoloniser les arts », qui milite, entre autres, pour une meilleure représentation des populations racisées sur les plateaux et les écrans, dans les musées et les galeries, une plus grande visibilité aussi de leurs œuvres. Un communiqué qui, malgré quelques critiques adressées à
disons, un manque de diversité peut-être autour de cette table et de cette soirée, malgré tout, qui reconnaît l'ancrage de la friche sur son territoire, avec, avec notamment les événements comme Logic Hip-Hop, puis le Village Hip-Hop, les rencontres avec les Comores organisées par la NIF, ou les rencontres à l'échelle, par exemple, ou Massalia Afropéa, mais qui estime finalement que ce mouvement doit être accéléré. Que c'est l'avenir, et c'est l'avenir que ce communiqué interroge, souhaitant que Marseille devienne une locomotive de la question postcoloniale. Marseille, ville cosmopolite, ville pluriculturelle, ville métisse. Alors, bon, je vous pose cette question parce que vous avez, dans votre festival aussi, porté cette question-là, ou ces enjeux postcoloniales. Comment vous envisagez, Yann Gossens, d'amplifier cette dynamique déjà ouverte, au fond, par la friche? Bah, tout d'abord, je ne crois pas que le Festival de Marseille est un festival postcolonial. Ce n'est pas un festival post ou après. C'est un festival de demain et de la création d'un avenir commun dans une ville où on sait que les citoyens ne partagent pas de passé commun. Et c'est la création de cet avenir commun à la base de passés très divers qui m'intéresse. Et afin de réaliser ça, bien sûr, il faut se poser en permanence la question qui ne s'identifie pas encore avec nos programmations, avec nos projets culturels, et comment est-ce qu'on peut donner de bonnes raisons à une diversité maximale de citoyens dans nos villes, de venir nous voir, de venir à nos institutions et nos spectacles une toute première fois. Je suis persuadé que c'est un enjeu qui doit se trouver au cœur de nos projets. C'est pas un enjeu juste de la communication ou des relations publiques. C'est un enjeu de la programmation, des directions artistiques. Mais encore une fois, c'est aussi un enjeu de décentralisation et de déplacement. Donc je crois que d'un côté, un travail au niveau d'une programmation comme la mienne, qui doit être multidisciplinaire, transversale, qui ne doit pas s'enfermer dans une discipline, qui doit intégrer des projets de co-création avec la ville de Marseille et les Marseillais. Il faut connecter ces ouvertures au niveau de la programmation au bon partenariat, au bon lieu, comme la friche de Belle de Mai. Il y a d'énormes pas qui ont déjà été faits, mais il y a un énorme travail à faire. Et comme beaucoup de grandes villes multiculturelles européennes, je crois que Marseille a un vrai problème aujourd'hui d'un décalage entre la réalité de la ville et puis les secteurs culturels et politiques officiels. Ce qu'on voit dans la rue, on ne le voit pas encore dans nos théâtres, on ne le voit pas encore dans nos grandes réunions politiques. Et voilà, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un constat négatif. Ça rend juste très clair qu'il y a là un vrai enjeu et il faut y travailler tous les jours. Merci beaucoup, Yann Gossens, et merci à vous tous pour vos témoignages, pour vos approches. On va vous retrouver tout à l'heure, en dernière partie de soirée. Bon, je le disais, hein, il y a plus de 30 producteurs qui produisent chaque année des propositions artistiques ici à la friche. Alors nous aurons pu les avoir, nous aurons pu avoir, par exemple, Cabaret Aléatoire, par exemple, le GMEM, par exemple, l'ERAC, par exemple, Red Plexus, par exemple, Triangle, Astéride, ou Dansem, ou Zinc, ou Les Grandes Tables, ou le Goethe Institut, ou Mars Attack, ou le Théâtre de la Criée, ou Actoral, ou Bipol, ou Africa Fête Collaproduction, ou Ophena Grenouille, et tant d'autres encore. Une longue liste sera donnée d'ailleurs enfin sur le générique. Donc voilà, c'est de dire qu'il y a beaucoup de producteurs et qu'évidemment, on ne pouvait pas donner la parole à tout le monde. À un moment donné, il fallait donc faire ce choix, et désolé pour ceux qui n'ont pas pu être là présents autour de la table.